Ce jour-là, j'accompagnais Noémie à Poitiers. Toutes les autoroutes se ressemblent. Le paysage qui défile trop vite s'effiloche. Continuez tout droit sur boulevard de l'Europe, N149. Retrouver des lieux inconnus et les avoir déjà fréquentés ailleurs. Même hôtel, même entrée, même distributeur de boissons, même marque qui jalonne l'espace, même signalétique, même décor, même numéro de chambre, même couleur sur les murs, même moquette. Même plan d'évacuation. Pastille rouge, vous êtes ici, jamais perdu. Il n'y a que le numéro de code qui change. Sauf qu'ici, il y a des lapins sur la pelouse. Explorer l'espace tout autour de l'hôtel, en périphérie de la ville, saturé d'inscriptions, de pancartes, de textes, de logos, de marques. Espace de passage inhabitable. Lieu de circulation circulaire, circumlocus. Plaque tournante posée à la limite de la ville. Des routes, des parkings. Les ronds-points sont des îles de végétation. Des reliquats de campagne perdue. Je ne croise personne. La ville semble abandonnée. Pourtant, je sens des présences derrière les façades. Ici, il n'y a que des clients. Des consommateurs, pas de promeneurs. Des locataires, des vendeurs, des particuliers, des professionnels. Les marques hissent leurs drapeaux, leurs étendards, pour marquer leur territoire, leur place forte, pour baliser le terrain. Les marques livrent et installent à domicile. Rien de neuf n'est à vendre, ni sous le soleil, ni sous la lune. Dans cette fin d'après-midi de juin, dans cette zone commerciale désertée. Dans cette absence, rien ne se dit, tout s'écrit. Les dangers de mort, les jouets clubs, les banques alimentaires de la Vienne, les aubades, les salles d'exposition et les salles de bain. Personne d'autre à filmer que moi-même. Mon reflet dans la vitre. Je cherche le juste cadrage. Ici, il n'y a rien d'autre à vendre que le vide. D'où surgit le reflet du filmeur, pris à son propre jeu. Personne d'autre à filmer que moi-même. Pris à mon propre jeu, celui d'il y a presque un an, dérivant,
dans cette zone commerciale désertée, vide et grotesque, inutile et folle. Avec ces mots partout écrits, sans aucune parole donnée, juste des messages commerciaux, pause, place assise, terrasse, bannette. Votre boulangerie sera fermée le lundi 5 juin. Échec de table. Langue vide, sèche et froide, cadavérique. Croisez un fantôme à 6 minutes 08. Rentrez vite, s'enfermer dans la chambre 213 d'un hôtel Formule 1. De quelle ville déjà?